Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on a noté un ciel plutôt couvert sur l'ensemble des régions nord avec des pluies, parfois sous forme d'averses, des vents plutôt forts. Météo algérien à BAMS qui prendra fin à partir de demain concernant les vents avec des vents de 60 jusqu'à 70 km/h sur l'ensemble des régions côtières. À partir de cette soirée, on notera de la neige hein, sur les reliefs intérieurs et les orages dépassant les 900 mètres d'altitude sur la partie sud. On a relevé un ciel plutôt dégagé vers l'extrême sud, le Sahara central, plutôt nuageux sur la Saoura, le Nord Sahara ou encore les oasis. Le temps pour demain, eh bien, ça ne va pas vraiment changer. On notera toujours un temps plutôt nuageux sur la partie ouest avec quelques pluies en journée, un temps froid instable sur le centre et l'est du pays avec des averses en journée, des vents plutôt forts, hein, des vents de nord-ouest, d'ouest à nord-ouest de 50 à 60 km/h, pouvant atteindre parfois les 70 km/h sur l'ensemble des régions côtières. On notera de la neige entre 700 et 800 mètres d'altitude vers l'intérieur, centre et est. Pour la partie sud, eh bien, le ciel restera passablement nuageux sur le Nord Sahara. Les oasis, quelques pluies éparses en journée, de fréquents soulèvements de sable également sur le Nord Sahara. Les oasis, un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de ce soir et pour demain matin, eh bien, elles varieront près des côtes entre 6 et 11 degrés. On notera 5 degrés à Tiaret, 2 degrés à Guelma, moins 1 degré à Sétif, 7 à Ghardaia Alrouat, 5 degrés à Béchar, 7 également à Tindouf, 6 à Adrar, 5 à Ain Salah. Et enfin, 9 degrés, ce sera la maximale à Borjba du Mukhtar, Ain Gezem et Hassim Saoud. On passe tout de suite aux températures de demain après-midi. Eh bien, on notera un minimum de 4 degrés à Batna, 8 à Tiaret, 13 degrés à Alger, à Annaba, 21 degrés à Ghardaia, 20 degrés à Béchar, 23 à Tindouf et enfin 27 degrés, ce sera la même.